C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Endosser les problèmes du pays aux colonisateurs et le manque de leadership visionnaire sont notamment des facteurs qui entravent l'indépendance économique du Burundi. C'est l'avis du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les mauvaises économiques, le commun sigle. C'est à la veille de la célébration de la 61e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Et les bergers de la rivière Nahangwa, du côté de la zone urbaine de Nyakabiga et Kigobe, continuent à s'écrouler. Mireille Kanyangi a fait le tour et nous en dira plus. Voici pour le sommaire tout de suite les détails. Ouvrons ce journal par la page coopération. Italie compte renforcer sa coopération bilatérale avec le Burundi dans le domaine de l'agriculture mécanisée. C'est qu'a révélé l'ambassadeur de l'Italie au Burundi ce vendredi après l'audience lui accordée par le Premier ministre. Ambassadeur Massimiliano Mazzitti a ajouté que son pays va aider le Burundi à obtenir les certifications nécessaires pour exporter les produits agricoles. On a décidé d'amorcer une coopération bilatérale sur l'agriculture, sur la mécanisation agricole et surtout des coopérations avec une autre compagnie italienne qui s'appelle Case New Holland. Il y avait ici dans la délégation les représentants régionaux de Case New Holland. On va amener ici un tracteur agricole de Total Production italien. Et ça, c'est seulement les premiers pour tester naturellement la capacité de l'équipement dans l'agriculture. Mais on va amener naturellement des autres pour participer au développement agricole du pays. Il faut développer, comme vous savez, on a déjà la filière des tomates qu'on est en train de développer avec la ville de Parme. On est en train de développer une chaîne de valeur sur la transformation alimentaire, surtout de la viande agricole et sur le porc. Nous sommes en train d'aider les Burundis à obtenir les certifications nécessaires pour exporter les produits agricoles burundais. Donc c'est un moment très important de coopération et de collaboration dans les domaines agricoles, mais aussi naturellement sur le futur de l'Expo 2030. On souhaite naturellement qu'un pays ami comme le Burundi va être part du soutien à notre candidature, à la candidature de Rome à l'Expo 2030. C'est un moment très important. On va continuer à contribuer aussi à la santé publique avec la Fondation Bonne Action de Madame la Première Dame. On va continuer à développer toutes les capacités du pays. Nous croyons que la chose la plus importante est d'être des partenaires crédibles, des partenaires pour le futur et pour le développement soutenable de ce pays. Le Premier ministre a également reçu en audience l'ambassadeur des Pays-Bas au Burundi. Entre autres, les sujets abordés figurent le renforcement de la coopération entre ces deux pays, selon le porte-parole primature. Suivez-le. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, vient de recevoir l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas qui était venu pour échanger avec Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur la relance des liens d'amitié et de coopération, lesquels datent de très longtemps par ailleurs, mais à un certain moment qui ont été au ralenti. Et les deux autorités, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, ont revenu sur les potentialités, les opportunités que le Burundi dispose et qui pourraient être bénéfiques à tout investisseur et qui pourraient même stimuler à ces pays amis qui verraient nous aider d'aboutir à un vrai développement. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, a apprécié substantiellement la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui prône que le Burundi soit en 2040, soit un pays émergent, et qu'en 2060, soit un pays développé. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, a promis qu'il va plaider auprès de son pays qu'il a mandaté
pour plaider en faveur du Burundi afin que cette vision soit appuyée par le Royaume des Pays-Bas. Certains projets risquent de ne pas être réalisés à cause du changement opéré dans le projet de loi des finances exercice 2023-2024. Le directeur de la parole et action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités l'a dit lors d'un point de presse animé ce vendredi. Faustin Dikumana a indiqué qu'à titre d'exemple, que le fonctionnement et les remboursements de la dette dépassent la mobilisation des ressources intérieures. Il a proposé à cet effet que le gouvernement mobilise des finances extérieures et renforce la discipline budgétaire et la transparence. Suivez-le. Quant à dire que le budget actuel montre qu'il s'adapte au nouveau principe du budget programme, je garde des doutes, je suis réservé parce qu'un budget programme qui ne donne pas une place suffisante à l'investissement, ça devient problématique. J'ai programmé, on augmente les frais de fonctionnement, on est en train de payer les dettes, on est en train d'augmenter. Non, l'investissement n'est pas vraiment, n'a pas une place conséquente. C'est difficile à lier. Et j'imagine que peut-être c'est au début, peut-être on est en train de redresser une situation chaotique qui s'est créée depuis longtemps, en cumul. Hein? De mauvaise gestion qui a provoqué une situation qu'on doit absolument redresser. Ça peut être compliqué, mais faut-il suivre tout cela à la loupe. Page politique, l'indépendance économique du Burundi laisse à désirer, avis du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les mauvaises actions économiques, Olicom en sigle. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi à la veille de la célébration de la 61e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Gabriel Luftiri estime que le fait d'endosser les problèmes du pays aux colonisateurs et le manque de leadership visionnaire sont notamment des facteurs qui entravent l'indépendance économique du Burundi. Suivez-le. Charles de Gaulle, pour ceux qui ne le connaissent pas, il était président de la France. Il a dit ceci: sans indépendance économique, il n'y a plus d'indépendance tout court. D'abord, je dois rappeler que chaque 10 ans, après l'assassinat du prince Rwagasore, il y a toujours une crise. Crise politique, guerre civile. Donc, il y a toujours une crise après 10 ans. La dernière en date de 2015. Et cela a comme conséquence la crise du leadership. Depuis la mort, l'assassinat ignoble du prince Rwagasore, le Burundi n'a pas pu construire un leadership capable de passer des décennies et des décennies avec une constance d'une administration pérenne. Un autre problème, par ailleurs, qui émane de ce problème de leadership, les Burundais, surtout les hommes politiques, veulent toujours porter les fardeaux ou les échecs aux colonisateurs. Mais ici, je voudrais rappeler que le colonisateur belge qui a colonisé le Burundi a été occupé, dominé par au moins trois puissances. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, la Belgique prend vraiment même une minute à porter ses problèmes à l'Autriche, à la France, à l'Espagne? Moi, je dis non. Mais chez nous, au Burundi, les mandataires politiques, après 61 ans d'indépendance, nous portons toujours nos échecs aux colonisateurs. Et nous oublions que ce n'est pas seulement le Burundi qui a été colonisé. Je pense qu'on doit rompre avec cette attitude notoire et nocive.
Page environnement pour clôturer ce journal. Les bergers de la rivière Nahangwa, du côté de la zone urbaine de Nyakabiga et Kigobe, continuent à s'écrouler. Les habitants de cette localité demandent à l'État de protéger les infrastructures environnantes avant la saison pluvieuse. Mireille Kanyang. Après avoir quitté l'avenue de l'imprimerie, l'on emprunte une allée vers la rivière Nahangwa, passant par le bureau communal du Paej Mukaza. L'on voit des berges de cette rivière qui s'agrandissent, des extracteurs du matériel de construction, des hommes et femmes portant ce matériel sur la tête du côté de Kigobe. Un ravin se creuse aussi du côté de Nyakabiga. En avançant plus loin vers l'école Pentecôte, l'on aperçoit un petit ruisseau Nyamivuba passant près de l'hôpital militaire de Kamenge. Un ravin s'est creusé, on y voit une machine, signe que des travaux sont en cours. Bien qu'on n'y ait pas vu de travailleurs à quelques minutes de 10h de ce vendredi, Bahati Gaspard est menuisier du côté de Nyakabiga. Il travaille non loin de la rivière Nahangwa. Il voudrait que les berges de cette rivière soient stabilisées, comme cela a été fait ailleurs sur cette rivière. De notre côté, vous voyez que l'écroulement des berges de cette rivière menace les maisons. Avant, des gabions y étaient érigés. Tout s'est écroulé. Moi, je demande à l'État de protéger cette rivière comme cela a été fait tout près de l'école Pentecôte. Berkiman Sabimenimana, lui, habite du côté de Kigobe. C'est grave, dit-il, à voir cet état de fait. C'est vraiment grave. Vous voyez qu'il n'y a pas de pluie en ces temps, mais ceci n'empêche que ça continue à tomber dans la rivière. Quel État mette la stabilisation des berges de cette rivière dans ses priorités? Sinon, les propriétaires des maisons ont peur. Ça demande beaucoup de moyens. Seul un individu ne peut y arriver. Je voudrais également qu'il y ait des machines qui s'y penchent quand il pleut et qu'il y a des tournants. Cela a des conséquences. Tous demandent à l'État de protéger les maisons et autres infrastructures avant qu'il ne soit tard. Merci à Mireille Kanyang. C'est par ici que nous mettons en point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.